Si le passage de la dynastie carolingienne à la capétienne se fit en douceur à l'ouest, cela ne veut pas dire dans le calme. Les incursions vikings, auxquelles s'ajoutent celles des Normands, avaient créé un climat d'insécurité qui, nous l'avons vu, avait joué son rôle dans l'effacement progressif des Carolingiens au profit des Robertiniens et des Capétiens ensuite. Ces derniers retiendront bien la leçon et Hugues Capet, une fois assuré du trône en 987, l'élection à Senlis, immédiatement après sacre à Noyon, veillera en priorité à la sécurité intérieure de son royaume ainsi qu'au renforcement de sa position de roi pour lui-même et, bien sûr, ses descendants. Et c'est à peu près à cette période qu'on commença à parler d'une Sainte-Ampoule qu'une colombe aurait apportée à Saint-Rémy pour le baptême de Clovis pour servir de Saint-Crème. De là à penser que son utilisation pour le sacre est plus serre, le sacre des rois, il n'y a qu'un pas. Mais certainement pas franchi à cette époque. Mais voyez-vous, l'évocation même de l'origine céleste de la Sainte Ampoule montre l'importance qu'on voulait faire prendre au sacre sur le plan religieux. Il donnait au souverain un caractère inviolable qui pouvait, le cas échéant, venir au secours d'une légitimité contestée. Et là apparaît bien le lien avec l'ancienne monarchie israélite, par exemple, quand les règles de succession n'étaient pas complètement définies ou encore si des doutes pouvaient être soulevés sur la personne qui devait régner, des doutes quant à son origine. Et il faut relever la prudence des papes sur cette question, qui s'entarrent toujours aux lois fondamentales du royaume de France, laissant aux légistes du pays la liberté d'interpréter ou de modifier, ou appliquant la théologie catholique traditionnelle concernant le pouvoir politique légitime quand des changements dynastiques se produiront. Il n'en allait pas de même avec celui qui, outre-Rhin, avait conservé le titre d'empereur dans la partie orientale de ce qui fut l'empire de Charlemagne. Il vaut la peine de comprendre pourquoi. Car les relations conflictuelles entre les papes et ses empereurs marqueront autant les mémoires de ceux qui régneront en Allemagne qu'à Rome et à Paris. Après la signature du traité de Verdun en 843, nous avons vu que Louis, fils de l'empereur Louis le Pieux, avait reçu la Francie orientale et régnera sur ce futur empire germanique sous le nom de Louis II, le Germanique, jusqu'en 876, date de sa mort. L'empire sera alors partagé en trois pour ses fils. L'un d'entre eux, Charles, réunira encore les terres paternelles pour régner comme empereur sous le nom de Charles III, de 882 à 887. Mais il se montra incapable de gouverner les nobles, élire son neveu, Arnulf, carolingien donc lui aussi, roi de Francie orientale depuis 887. Alors il sut se battre victorieusement contre les Vikings, mais dut contracter de nombreuses alliances qui finalement se révélèrent contraignantes pour maintenir son pouvoir. Non sans mal, avec comme concurrents les Conradiens et les Ottoniens, et puis en Italie, Lambert de Spolète, il se fit couronner empereur à Rome par le pape Formose en 896. Il mourra en 899. Louis, son fils unique, est alors proclamé empereur le 4 février 900. Mais voilà, il a 6 ans.
Et la régence est exercée par trois évêques. Les invasions hongroises s'intensifièrent, le jeune empereur est en mauvaise santé et il mourut en septembre 911. Et il était le dernier carolingien. Et la plupart des grands vassaux élirent alors l'un des leurs pour leur succéder, le duc de Franconie, Conrad le Jeune, en novembre 911. Mais d'autres, voulant rester fidèles à la dynastie carolingienne, se rallièrent au roi de Francie occidentale, Charles Ier le Simple. On voit que la question dynastique, voyez-vous, s'affermit. Conrad, le dernier franc à régner sur cette région, n'arrivera jamais à faire l'unité des grands seigneurs allemands autour de lui. Après avoir été gravement blessé lors d'une bataille contre les Bavarois, il mourra en décembre 918 en demandant à son frère cadet de remettre le pouvoir au duc de Saxe. Henri, dit l'Oiseleur, veut que la diète d'Empire de mai 918 ratifiera. Henri, dit l'Oiseleur, parce qu'il chassait au faucon, inaugura une dynastie, les Ottoniens. Alors notons que du côté maternel, il est quand même arrière-grand-père d'Hugues Capet. Mais il refuse d'être sacré roi par l'archevêque de Mayence, voulant être indépendant de l'Église. Par la conciliation ou la guerre, il veut être reconnu par les grands nobles de Germanie, et c'est le plus important. Après avoir vaincu le duc de Bavière, il lui concédera par exemple, c'est étrange, le droit de nommer ses évêques. Il s'établit ainsi toute une série de vassaux fidèles, mais il écarta les ecclésiastiques du gouvernement, imprimant ce qui va être le Saint-Empire, dans le Saint-Empire, je dirais, une sorte de marque de fabrique, à savoir la méfiance vis-à-vis de l'Église, dès le début. Certes, il mit fin aux invasions, mais il prit son temps. Au début du règne, par exemple, il paya le tribut aux Hongrois. Mais en 933, il ordonna un chien galeux en guise de tribut. C'est une punition allemande classique contre un chevalier devenu criminel qui devait porter la bête une lieue contre lui. Voilà. Alors les Hongrois, évidemment, vous l'imaginez, n'apprécièrent pas du tout ce cadeau et ce fut la guerre qu'Henri gagna. Et alors là, il décida de partir pour l'Italie pour s'y faire sacrer empereur par le pape. Mais c'est un peu tard. Il mourut en 936, au début du voyage, non sans avoir préparé l'élection de son fils Othon pour éviter un partage de l'Empire. Alors celui-ci sera sacré le 7 août 936, alors lui par l'archevêque de Mayence, il respecte la règle, roi de Francie orientale, il renoue donc avec la tradition carolingienne, mais une partie de sa propre famille se révolte contre lui, avec d'autres grands. Le dernier carolingien, en effet, régnait. La question dynastique joue toujours. Il régnait en Francie orientale. C'était Louis IV d'outre-mer. Othon avait marié sa sœur avec Hugues le Grand. Il s'allia aux Robertiniens avec l'appui du duc de Souabe. Il va alors se battre. Il va y avoir une terrible défaite pour ses adversaires en octobre 939. Et Othon vivra très longtemps, hélas, dans l'obsession de la vengeance. Il va restaurer l'autorité des évêques diocésains, bien sûr, aux dépens des monastères, et évidemment, il va comprendre que là, il n'y a pas d'autres possibilités. Il faut que le pape s'arrange avec lui, il a besoin du pape. Et c'est le moment donc de répondre à une question que sans doute vous vous posez depuis que vous m'écoutez parler de cela. Que faisait donc la papauté pendant tous ces désordres allemands? Eh bien, elle était dans une très grande, très très mauvaise posture. Depuis le décès du pape Formose, en 896, eh bien, il y avait eu un concile, qu'on appelle le concile cadavérique, ouvert par son successeur, l'année suivante, Étienne VI, qui avait fait déterrer le corps de son prédécesseur pour le juger.
Et donc, elle voit que l'élection de Serge III, cette papauté, en 904, s'ouvrir une période qu'on appellera au XVIe siècle seulement la pornocratie pontificale et qui ne s'achèvera en partie, je dis bien en partie, qu'avec la mort de Jean XII en 963. Ce fut en fait le règne des femmes dans l'Église qui firent élire leurs amants ou leurs enfants sur le trône de pierre, allant même jusqu'à en faire assassiner quelques-uns. Et tous ces gens étaient issus de l'aristocratie romaine et avaient en quelque sorte investi, comme on investit dans une entreprise, ils avaient investi dans le siège apostolique. Les Carolingiens, en fin de course, étaient beaucoup trop occupés chez eux pour intervenir. Les Robertiniens, puis les Capétiens, de même, ils inauguraient leur pouvoir. Les deux premiers empereurs allemands, non carolingiens, avaient trop à faire aussi chez eux. Et Henri Loiseleur, nous l'avons vu, ne manifesta aucun intérêt pour la papauté, sinon à la fin de sa vie. Seul son fils Othon, et j'ai dit pourquoi, s'y intéressa, parce que justement il avait besoin des évêques. Alors, ayant réussi à vaincre le roi lombard, Béranger, qui menaçait les états pontificaux, eh bien il se fit roi d'Italie en 951, et tout naturellement, bien sûr, aspira à l'Empire en venant au secours du pape régnant Agapé II, il imite Charlemagne. Mais ce pape n'en devint pas pour autant libre, parce que Rome était dominée par un noble, Albéric II de Spolète, depuis 932. C'était le fils de la célèbre Marzosi, fille d'un consul romain, comte de Tusculum. À 15 ans, et elle promettait, elle était déjà la maîtresse du pape Serge III, dont elle eut peut-être un fils, c'est pas très sûr, qui devint le pape Jean XI, puis elle épousa en 909 le duc de Spolète, Albéric Ier, lui donna pour fils Albéric II, et quand son époux mourra en 924, elle se mariera encore avec Guy de Toscane, et ils renversèrent le pape Jean X, et l'emprisonnèrent même au château Saint-Ange, où il mourut en 928, on ne sait pas trop comment. Elle instaurait ainsi la pornocratie. Bon, elle fit élire deux papes qui ne durèrent que peu de temps, le dernier étant assassiné, ah oui. Alors elle fit élire pape en 931, Jean XI, dont le père était peut-être Serge III ou Albéric, on ne sait pas, c'était son fils, mais c'est encore cette Marzosi qui gouvernait jusqu'à la révolte de son fils contre elle en 912. Et c'est là qu'Albéric devient le maître de la ville et aussi des papes. Il fit mettre sa mère en prison, c'est une sage précaution, où elle mourut. Et c'est la raison pour laquelle l'ambassade envoyée par Othon ne put entrer dans la ville en 952 pour rencontrer Agapé II, puisque c'est Albéric le maître, et arranger un couronnement impérial. Se sentant mourir en 954, cette même Albéric II a fait promettre, alors à ce moment-là, à son entourage, de placer son fils Octavien sur le trône de pierre à la prochaine vacance pontificale. Et elle eut lieu, vite, le 8 novembre 955. Et Octavien, âgé de 18 ans, qui n'était ni prêtre ni clerc, va être élu sous le nom de Jean XII. Bon, ses premières préoccupations vont être l'expansion territoriale, donc la guerre, c'est tout ce qu'il sait faire, hein, ce qui va le conduire à des défaites, parce qu'il le fait mal, et à appeler lui aussi Othon Ier à la rescousse. Alors ce dernier va entrer dans Rome le 31 janvier 962 et il sera couronné par ce pape de 18 ans le 4 février de la même année. Le Saint-Empire romain germanique était né, mais vous voyez dans quelles conditions. Auparavant, Othon avait reconnu tout de même les états pontificaux donnés par Pépin le Bref et Charlemagne. Mais il se méfiera toujours de ce pape Jean XII, et à juste titre, car ce dernier le trahira rapidement, portait pas beaucoup d'intérêt à l'Église, ce que lui dictait pourtant sa fonction. Et puis, en plus, il n'avait aucune formation pour cela. L'empereur, dans ce domaine, lui fut infiniment supérieur et fut toujours pour cette raison soutenu par son clergé contre le pape lui-même.
Othon dut lui-même organiser un concile qu'il présida à Rome le 6 novembre 963, tenez-vous bien, pour déposer Jean XII. Et le 4 décembre, un synode convoqué par l'empereur élut un notable laïc, en plus romain, comme pape, qui reçut les ordres sacrés, voilà, et régna sous le nom de Léon VIII. Mais évidemment, ce fut contesté pour des raisons évidentes concernant la régularité de la déchéance de l'ancien pape et la nomination du nouveau. Et il y a toujours aujourd'hui d'ailleurs discussion à ce sujet chez les historiens. Mais ce pape fut finalement validé, évidemment, par rapport à Jean XII. Son activité met enfin à la triste période de la pornocratie, du moins officiellement. Othon II va continuer la politique de son père en aidant la papauté à continuer à se réformer. Et en 974, il va influencer le clergé et le peuple romain pour élire Benoît VII, qui était déjà évêque et qui mit fin déjà à la simonie, c'est-à-dire au trafic des charges ecclésiastiques. Othon III, son fils, bénéficia d'une régence intelligente et put régner seul. À partir de 995, il fit élire des papes conscients de leurs charges et de ce qu'il y avait aussi à rattraper, comme Grégoire V, son cousin, qui est premier pape allemand, et qui le couronna en 996. Or, du coup, il va s'installer à Rome, et il va gouverner depuis cette ville, ce qui, évidemment, va le placer un peu en position de concurrence avec le pape. Songez que cet empereur va présider même des synodes avec lui, sans difficulté parce que les deux hommes s'entendaient bien. Mais cette trop grande collusion du spirituel et du politique va provoquer une révolte. Profitant de l'absence de l'empereur, l'aristocratie romaine, toujours elle, obligea le pape à s'enfuir et plaça un antipape, Jean XVI. En février 998, l'empereur marche Rome et rétablit Grégoire. Le chef de la laïque de la révolte est immédiatement décapité. Quant à l'antipape, il est aveuglé. On lui coupe même les oreilles et le nez, voyez-vous, ce qui provoqua évidemment une réprobation générale et une malédiction même de la part d'un saint ermite qui va à Rome pour ça. Et le pape mourut en 999 à 27 ans. Alors Othon fit élire son ancien précepteur, Gerbert d'Aurillac, sous le nom de Sylvestre II, ça c'était une très bonne idée, qui régna de 999 à 1003, et c'est là qu'il va rêver de reconstruire l'Empire romain universel, à partir de Rome, la ville des apôtres, où il voulait désormais résider.